Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique, il faut le dire. Ce n'est pas une surprise quand vous connaissez l'amour qui met les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était loin de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une grosse famille avec des chants, des sourires. Donc, on se retrouve maintenant dans cette tribune. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. Voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, on espère tous se régaler devant ce match. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu, on peut peut-être voir entrer des joueurs qui ont bien l'habitude de voir. C'est parfait, magnifique. Il remporte son duel. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Il est bien placé, le bon dribble. Il file dans l'axe. C'est bien fait, il rejoint derrière lui. Oh, le gardien est là, la classe. Il va s'en rentrer le plus dur, mais le gardien est bien présent. En attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Un duel gagné, ballon récupéré. Oh, voici Neymar. Il est passé. Et le ballon continue de lui coller au pied. Gabriel, c'est joué long, c'est dangereux. White, ça joue long. Il allonge, pourquoi pas. Du score. Messi, et ça passe. Pas mal du tout ça. Voici Fabien Ruiz. Oh, ça peut être bon. Il est bien placé. Attention au centre. Il peut frapper. Possède du ballon. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ça sent la frappe. Exactement où ça arrive.
détail avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. La seconde période, c'est parti. Le de garde. Gros duel, le ballon est perdu. Mbappé. Le ballon dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Il provoque. Et sur son tacle, aucun doute, pénalty. Ah oui, il n'y a pas grand chose à dire là, c'est évident. L'arbitre a pris sa décision, il a raison, la faute était vraiment évidente. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Ils sont encore dans le match alors qu'ils sont largement menés à la possession. Ça tient presque du miracle. Et il a l'occasion de creuser l'écart. Ce sont des occasions en or qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Et il ne résiste pas, ballon perdu. Il y a peut-être un coup à jouer. Jorginho. Oh, le bon ballon. Gabriel Jesus. Oh, mais quelle parade! Incroyable comme il est allé la chercher, ça semblait se diriger tout droit au fond. Et ce corner à la rémoise. Corner mal négocié, le contre à suivre. Et ça peut aller très vite. Décisif dans cette rencontre. Il tente sa chance. Marco Verratti. Oh, attention! Il est tout seul. Il déclenche son centre. C'est repoussé. Partez. Marco Verratti. Peut-être une occasion pour Messi. Partez. Et petite faute là. Arsenal peut remercier le ciel de voir ce ballon sortir. Oui, il a dû avoir une absence. Enfin, je connais une équipe qui ne s'en plaindra pas. Ah, c'est dommage, il partit bien ce contre. La qualité du marquage est à souligner quand même. Oui, il semble vouloir gêner la construction en l'obligeant à accélérer sa prise de décision. Messi qui a déjà marqué aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match. Il choisit la profondeur. Hors jeu apparemment. Thank you.
Frustration quand même. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre.